Bon matin, Église de Portail. J'espère que vous allez bien ce matin. Il y a de la joie dans la maison de Dieu ce matin, hein? Quel bonheur d'être là. Ce matin, nous continuons notre série, quatrième prédication de la série qui se nomme Sola Fide. Ça vient d'où, Sola Fide? C'est du latin. Et ça remonte qu'il y a 500 ans. Il y a 500 ans en Occident, il y a une église, l'Église catholique romaine, l'Église universelle qui est basée à Rome. Et après 1500 ans de christianisme, la bonne nouvelle de Jésus a été un peu engloutie, ensevelie. Donc, à l'époque, on dit que ce qui fait autorité en matière de foi et de pratique, c'est la tradition des papes. Donc, ce qu'un pape enseigne, ça a plus de valeur que la parole de Dieu. On enseigne à l'époque qu'on n'est pas seulement sauvé par Jésus, il y a plusieurs médiateurs, notamment Marie, les saints. Donc, pour que Dieu entende ta prière, tu peux passer par n'importe quel saint. Ça amène où l'Église enseigne qu'on est sauvé par nos mérites. Et comment qu'on est sauvé par nos mérites? C'est-à-dire, c'est par tes bonnes œuvres. D'ailleurs, même à l'époque, on enseigne le purgatoire. Et on enseignait qu'un seul péché te vaut 7 ans de purgatoire. Ça veut dire que tu vas être là longtemps. Évidemment, le purgatoire n'est pas l'enseignement biblique. Et ce que l'Église a développé, c'est ce qu'on appelait à l'époque des indulgences. Donc, tu pouvais payer pour passer moins de temps dans le purgatoire. Et le slogan, et on était fort en marketing à l'époque, c'est qu'on disait que quand tu payes pour sauver ton âme, dès que l'argent résonne, une âme s'envole. Et tu peux payer pour des proches pour leur salut. Donc, on enseignait que c'était par tes œuvres et tout ça pour la gloire de l'Église. Et il y a 500 ans en Allemagne, il y a des gens, des hommes et des femmes qui se sont levés, qui lisaient la parole de Dieu et qui ont dit, « Il me semble que ça, c'est pas la bonne nouvelle de Jésus. » Ils ont protesté contre l'ordre établi. On les a appelés protestants parce qu'ils protestaient contre ces aberrations. Et il y a un slogan, il y a eu 5 éléments, 5 piliers qui ont été rétablis, qui ont toujours été dans l'histoire de l'Église, mais qu'on a rétablis, que l'Église avait oublié. Et la première chose qu'on a dit, c'est « sola scriptura ». Ça veut dire que ce qui fait autorité en matière de foi et de pratique, c'est pas ce que dit un pape, mais c'est seulement la parole de Dieu, seulement l'Écriture. « Sola scriptura ». On a dit deuxièmement, on a dit « solus Christus ». Nous sommes sauvés par Christ seul. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ce n'est pas Marie, Joseph ou un tel, c'est Jésus seul. Et nous sommes sauvés, c'est sola gratia, par la grâce seule, pas par nos mérites. Et le moyen par lequel Dieu nous sauve, c'est sola fide, par la foi seule, pas par tes bonnes œuvres. Et c'est d'ailleurs le message de l'Épître aux Romains. Et Dieu fait tout ça, pourquoi? Cinquième sola, soli deo gloria. Le plan de Dieu, ce n'est pas pour ta gloire, ce n'est pas pour la gloire de l'Église, c'est pour la gloire de Dieu seul. Et cette série de prédications s'appuie sur l'Épître aux Romains qui a amené le rétablissement de ces 5 piliers, qui est un séisme spirituel. Et ce que la parole de Dieu enseigne, c'est que nous sommes justifiés, sauvés, approuvés, acceptés devant Dieu par notre foi dans l'œuvre de Jésus. D'où cela fidé par ta foi seule, pas tes œuvres. Tes bonnes œuvres n'ajoutent rien à ton salut. À l'image, c'est un peu comme quand à l'extérieur, tu as un meuble de métal qui a de la rouille. Il ne suffit pas de mettre de la peinture. Pourquoi? Parce que la rouille va ressortir. Tu as besoin d'une peinture anti-rouille. Alors que nous sommes pleins de rouille, de péché devant Dieu, Dieu nous remet beau, mais non seulement par l'œuvre de Jésus, il couvre nos péchés, il nous empêche de corrompre, ça s'appelle la sanctification, il lutte contre le péché. C'est ça le salut, on le reçoit par la foi seule. Donc, sola fide. Et on a vu la semaine dernière que l'humanité a besoin de Jésus. Et l'apôtre Paul bâtit vraiment son message pour arriver à la bonne nouvelle. Et vous savez, le message de la semaine passée n'est pas un message qui est facile à prêcher. On l'a prêché partout au portail. Et fondamentalement, ce que la parole de Dieu dit, c'est que l'humanité a besoin de Jésus. Est-ce que tu crois ça? Pourquoi l'humanité a besoin de Jésus? Parce que nous sommes de bonnes personnes qui s'en sortent très bien. La parole de Dieu dit... On a besoin de Jésus parce que tout le monde sur cette terre par nature, nous sommes inexcusables, ignorants, idolâtres, immorales, impies et injustes. Et vous savez, quand tu prêches ce message-là, ça fâche des gens. Vous savez, il m'arrive souvent au portail lorsque je prêche, je ne dirais pas souvent, mais quand même occasionnellement, quelquefois lorsque j'annonce justement notre besoin, notre dépravation totale, il y a des gens qui ne le supportent pas et qui s'en vont.
D'ailleurs, même j'enseignais à l'Institut de théologie pour la francophonie. Devant moi, j'ai des gens qui sont dans le ministère, j'ai des pasteurs, et je suis là pour enseigner justement le christocentrisme, et je commence avec la mauvaise nouvelle, et je dis vraiment comment nous sommes un cas totalement désespéré, et j'ai des gens qui sont des leaders dans les églises qui se lèvent, qui sont fâchés. Et la Bible appelle ça le scandale de la croix. Pourquoi? Parce que l'œuvre de Jésus te dépouille de tout mérite. Ta chair, elle est incapable de rien de bon. Nous sommes totalement désespérés. Et quand tu vas le comprendre, tu vas réaliser combien Jésus est un sublime sauveur. Et c'est pourquoi nous avons besoin de Jésus. L'humanité a besoin de Jésus. Et à tous ceux la semaine prochaine qui ont dit « Oh, quelle bonne prédication! Oui, notre monde est immoral. Je veux juste te dire que ton tour vient d'arriver. » Voici la parole de Dieu maintenant va dire pourquoi non seulement les gens qui vivent dans l'immoralité ont besoin de Jésus, mais même ceux qui sont de bonnes personnes morales, tu as aussi besoin de Jésus. Et alors que la première partie, la deuxième, je vais dire autrement, la dernière portion du chapitre 1, alors que Paul explique ce qu'il ne voit pas dans le monde, puis on imagine les chrétiens qui disent « Amen, amen, preach it, brother ». Maintenant, Paul dit « Fais attention, parce que quand tu pointes un doigt vers une personne, il y en a quatre vers toi ». Et même nous, en tant que chrétiens, il est bon de se rappeler que notre moralité ne nous sauve pas. Et Paul explique que, justement, le moraliste a besoin de Jésus. Vous savez, souvent, beaucoup de gens qui viennent à Jésus, qui sont dans l'Église, qui sont peut-être plus morales que d'autres, hein, tu dis, mais moi, je ne couche pas, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne trompe pas, je ne vole pas, je suis quand même pas pire. Et c'est une erreur de croire que ta moralité te rend plus acceptable aux yeux de Dieu. C'est une erreur de croire que ta moralité te donne un avantage dans ton salut. C'est une erreur de croire, c'est une erreur de te confier dans ta moralité. Parce que ce qui te sauve, ce n'est pas ta moralité, c'est Jésus seul. Et de la même manière qu'on peut souvent mettre, je reviens sur mon meuble, si je mets mon meuble en métal, je mets de la peinture, mais qu'elle n'est pas en tirouille, ça va revenir. Et ta moralité peut camoufler tes failles, peut te faire paraître mieux que d'autres, mais ton problème, c'est ton cœur. Et nous avons tous besoin de Jésus. Est-ce que je peux entendre « Amen » ? Donc, sans plus tarder, voici ce que dit la parole de Dieu, Romains 2, versets 1 à 11. Donc, Paul maintenant parle des chrétiens dans l'Église, des gens qui disent « Moi, je ne suis pas si pire que ça. » Voici ce que dit la parole de Dieu. Tu es donc inexcusable, qui que tu sois, toi qui juges. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est selon la vérité. Comptes-tu, toi qui juges, ceux qui agissent ainsi, c'est-à-dire quand on regarde à ce monde qui a besoin de Jésus, qui vit dans la moralité, donc il parle à ceux qui semblent avoir un standard moral, comptes-tu, toi qui juges, ceux qui agissent ainsi, et qui fait comme eux que toi, tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de son support et de sa patience, sans reconnaître que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et la révélation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres la vie éternelle, à ceux qui par la persévérance à bien faire cherchent la gloire, l'honneur et l'incorruptibilité, mais la colère et la fureur à ceux qui, par esprit de dispute, désobéissent à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse pour toute âme humaine qui pratique le mal, pour le juif premièrement, puis pour le grec, donc, c'est-à-dire pourquoi le juif premièrement et ensuite le grec, c'est-à-dire les non-juifs, donc l'ensemble de l'humanité, c'est simplement la séquence dans l'histoire du salut. Dieu a envoyé Jésus parmi le peuple juif pour sauver l'humanité, donc c'est la séquence des événements. Et je vais revenir de ce qui se passe en Israël dans deux messages, en passant. Gloire, honneur et paix pour quiconque pratique le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec, car auprès de Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Et la première chose que la parole dit, le problème du moraliste est, je veux que tu dises à quelqu'un à côté de toi, c'est toi qui parles ce matin. OK, je veux juste te dire que le chapeau nous fait tous, surtout nous les chrétiens. Les gens qui jugent le plus généralement, ce sont les chrétiens. Dis pas amen, dis aïe aïe. OK, on se parle entre nous. Et le problème du moraliste, c'est qu'il juge les autres. Maintenant, est-ce qu'on doit juger ou pas juger? La Bible semble dire une chose et son contraire. Jésus dit, ne jugez point. Hein, souvent, quand on peut reprendre des gens, des fois, on va dire, hey, juge-moi pas.
Et l'apôtre Paul va dire à l'Église, « Hey, il y a un gars qui couche avec sa belle-mère, je le juge. » 1 Corinthiens 5, pour ceux qui disent, « Wow, wow, wow! » Est-ce qu'on juge ou on ne juge pas? Mais ça dépend. La Bible dit premièrement que le chrétien est appelé à juger les actions des autres sur la base de la parole de Dieu. Donc, oui, tu peux juger les gens, c'est-à-dire tu peux évaluer quelqu'un qui se dit chrétien et que ses paroles et son comportement n'est pas chrétien. Tu peux évaluer que cette personne-là ne vit pas selon la parole de Dieu. Est-ce que tu es toujours là? D'ailleurs, Jésus va dire, ne jugez point. Et immédiatement après, il va dire, on reconnaît un arbre à ses fruits. Donc, les chrétiens, nous pouvons juger les actions des autres à la lumière de la parole de Dieu. D'ailleurs, en tant qu'Église, on fait ça constamment. Quand des gens veulent devenir membres du corps de Christ, on juge, on évalue. Est-ce qu'il y a le fruit de la repentance? Est-ce que tu comprends le salut par grâce? Est-ce que Jésus est le centre de ta vie? Donc, c'est important. Quand on a des gens qui arrivent et qui disent, « Moi, je crois en Jésus, mais je ne crois pas au mariage. » On a juste un problème. Pourquoi? Pas parce qu'on est légaliste, parce que le Saint-Esprit qui a inspiré la parole de Dieu, qui devrait être dans ton cœur, devrait t'amener à vouloir conformer ta vie à la parole de Dieu. Okay, il y a deux personnes qui disent « Amen », d'autres qui réfléchissent. Et qu'est-ce que Paul dit? Hein? On est appelé à juger les actions. OK, cette semaine, je suis au restaurant avec un chrétien. Je le dis parce que c'est ailleurs, OK? La serveuse arrive, puis elle sert quelque chose, puis la personne n'est pas contente. La personne a, tu sais, de la colère, puis là, comme un... Puis là, je dis à la personne, « Hey, un chrétien ne peut pas agir comme ça. » Là, la personne pourrait dire, « Ah, tu ne peux pas me juger. » Oui, je peux te juger. Parce que ce que tu viens de faire, ce n'est pas digne d'un chrétien. On évalue les actions. Est-ce que vous êtes toujours là? Maintenant, ce n'est pas ça que Paul parle. Paul parle, tu peux juger les actions, mais tu ne peux pas juger les intentions du cœur. Et c'est ça, ne pas juger. C'est qu'on juge les intentions invisibles du cœur. On reconnaît un arbre à son fruit, on peut juger les actions visibles. Mais toi et moi, nous ne sommes pas Dieu, on ne peut pas lire dans les cœurs. Et prêter des intentions à des gens, prêter des motifs à des gens, c'est mal. Parce que tu spécules et tu te prononces une condamnation sur quelque chose dont tu n'as pas toute l'information. Exemple, dans les salutations. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne t'a pas salué. Puis là, tu dis, « Ah, je savais, cette personne-là, là, elle a un problème. » Et là, tu spécules. Qu'est-ce que tu fais? Tu juges les motifs de son cœur. Ça, c'est mal. La Bible dit de ne pas juger. Tu sais, des fois, il y a des gens qui te demandent pardon, puis qu'on te dit, « Est-ce que tu pardonnes? » « Ouais, je n'ai pas pardonné parce qu'elle n'était pas sincère. » Tu ne peux pas juger de la sincérité du cœur. Donc, il sait quelquefois, on juge les motifs, c'est-à-dire on voit des gens puis on leur donne de mauvaises intentions. Et c'est ce que la Bible dit. Même souvent, on regarde ceux qui n'ont pas un standard comme nous et on les juge. C'est-à-dire, on présume de ce qu'il y a vraiment dans leur cœur. Il y a quelques semaines, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui connaissent qui est une des tatoueuses les plus célèbres du monde, okay, qui a eu son émission de télé-réalité. C'est une femme qui il n'y a pas beaucoup de place sur son corps, qui n'a pas de tatou, là, OK? Et elle a un style de vie gothique. Donc, elle a une émission de télévision pendant longtemps, ou une télé-réalité, où elle a son centre de tatouage, tout ça. Même des vedettes allaient la voir, comme quelqu'un de très, très réputé. Puis dans son émission, elle est dans le culte, même des fois, elle frôle avec le satanisme. Et, bon, l'émission ne roule plus, mais c'est quand même quelqu'un qui au niveau de la culture populaire, c'est quelqu'un qui est très, très connu. Et il y a 3 semaines, elle a écrit sur les réseaux sociaux, « Bon, j'annonce quelque chose que j'ai gardé caché pendant un petit bout de temps, mais j'ai décidé de suivre Jésus et ce matin, je me fais baptiser. » Et là, ça a créé une avalanche sur les réseaux sociaux. Mais premièrement, sa clientèle, tu sais, quand tu t'es spécialisé à faire des têtes de démons, ça se peut qu'il y ait une réaction quand tu dis que tu décides de suivre Jésus. Mais on a posé la question à Kat Von T, il y a un journaliste qui lui a dit, « Mais d'où sont venues les réactions les plus violentes? » Elle a dit, « Ce qui m'a surtout heurté, les plus violents, c'est les chrétiens. » Je lui ai dit, « Mais comment ça? » Mais là, il y a des critiques qui m'ont écrit, « Ah, tu mets ça parce que tu vas attirer l'attention encore, parce que tu n'as plus ton émission, puis tu veux... » Puis là, des gens, « Qu'est-ce qui dit que tu es vraiment sauvé? » Puis
Puis il faut comprendre qu'avec son style de vie, c'est toujours habillé en noir. Puis on dit, tu portes encore du noir, c'est la preuve que ton cœur n'est pas régénéré. Gang, elle est dans notre équipe. Elle est dans notre équipe. Puis les plus violents, c'est les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on juge, on présume le mal. Hein, comme on dit en hébreu, ne juge pas un livre par sa couverture. Je lisais une histoire d'une professeure chrétienne qui est là, puis elle a une panne. Histoire vraie, puis elle est là, puis elle dit, « OK, Seigneur, là, j'ai un rendez-vous important, puis personne ne s'arrête. » Puis là, elle est comme démunie, puis elle est comme... Puis là, à un moment donné, elle dit, « Seigneur, envoie-moi un ange. Envoie-moi un ange qui a des notions de mécanique. » Parce qu'un ange qui n'est pas bon en mécanique, c'est pas utile, OK? C'est comme, bravo, mais non, OK? Va en chercher un autre. Et après avoir cette prière, il y a une moto qui arrive. Un gros gars, un biker, des grosses barbes, des gros cheveux. Finalement, il dit, OK, mais je vais vous aider. Puis il se penche, puis elle voit derrière, c'est écrit Hells Angels. C'est pas le sort d'ange qu'elle voulait. Puis là, elle est comme. Puis là, tu te sens mal à l'aise, mais tu ne veux pas lui dire de s'en aller. Puis là, à un moment, il a réparé sa voiture. Puis là, après ça, il dit, ça va? Puis il dit, ouais, ben, je suis un peu mal à l'aise. Moi, je suis chrétienne, j'ai prié que Dieu m'envoie quelqu'un, mais je ne pensais pas que ce serait quelqu'un comme vous. Déjà, bravo, ça prend du courage. Ça prend du courage. Et ce que le mentor lui a dit, c'est qu'il ne faut pas juger un livre sur sa couverture. Maintenant, on peut juger les actes. Un criminel, c'est un criminel. Mais souvent, il y a des non-chrétiens qui sont plus généreux, altruistes que les chrétiens. Qui ont plus grand cœur que les chrétiens. Ils ont un cœur de pierre, mais son cœur de pierre est plus large que notre cœur de chair. Et c'est ce que la Bible dit. Ne juge pas une personne simplement en présumant ce qu'il y a dans son cœur. Ne juge pas une personne avant d'avoir marché 1 000 dans ses souliers. Souvent, on regarde des gens. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, qui vivent dans un standard non chrétien, mais tu ne connais pas ses circonstances, tu ne connais pas son histoire, tu ne connais pas ses efforts, et tu ne sais surtout pas que si à sa place, tu ferais mieux. C'est Billy Graham qui disait, « La job du Saint-Esprit est de convaincre, la job de Dieu est de juger, ma job est d'aimer. » Le problème du moralisme, chacun d'entre nous, surtout les chrétiens, alors qu'on a un haut standard moral, du moins on devrait, qui est un fruit de la régénération, c'est que le moraliste juge les autres. Puis le problème, c'est ce que Paul continue en disant, « Tu es donc inexcusable. » Il reprend le même mot « inexcusable » qu'il a employé pour les païens précédemment. « Qui que tu sois, toi qui juges, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu agis comme eux. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est selon la vérité. » Wow. Comptes-tu, toi qui juges ceux qui agissent ainsi et qui fais comme eux, que toi, tu échapperas au jugement de Dieu? Notre problème, à nous les moralistes, c'est que souvent on se croit supérieur. On se croit supérieur. À l'intérieur du chrétien, nous avons tous un petit pharisien qui juge les autres. Nous avons tous un petit pharisien qui oublie d'où on vient. Vous savez, le problème des pharisiens, c'était quoi? C'est qu'il y avait un double standard. Hein, il se comparait. Il se comparait aux gens de mauvaise vie, puis il était enflé d'orgueil, mais il ne se comparait pas aux meilleurs. Et le problème des chrétiens, c'est qu'on se croit supérieur parce qu'on se compare toujours aux mauvaises personnes. On se compare toujours à des gens qui sont dans l'immoralité au lieu de se comparer à Jésus. Quel est ton standard? Compare-toi à Jésus, tu vas arrêter de te sentir supérieur. Et tout le monde dit aïe aïe. À la preuve, qui ici... Tu te considères en bonne forme physique. Lève la main, là. Qui tu te considères en bonne forme physique? Des gens qui lèvent la main. Tu sais, des gens, je vous vois, là, tu es comme, je ne veux pas juger, mais de ce que je vois, de manière visible. Mais voyez-vous, on est là. Mais selon quel standard? Selon quel standard? Moi, si j'arrive avec une aînée en chaise roulante, je peux aller la voir en disant, je suis en meilleure forme physique que vous. Puis je peux me penser très, très bon. Tous ceux qui ont levé la main, on peut se comparer avec des gens pour être vraiment en meilleure forme physique. Mais va te comparer à un Olympien, par exemple. Tu vas voir que tu es beaucoup plus patate que tu penses. Tout le monde comprend le mot hébreu patate. Puis on fait la même chose. Souvent, on se compare aux gens qui sont
moins morale que nous, alors au lieu de se comparer au standard de la parole de Dieu. Et la Bible dit, tu te condamnes toi-même. Il y a un pasteur qui raconte que il y a pas mal d'années, il est dans un bateau, puis il manque de place, puis finalement, puis souvent, à l'époque, j'imagine que c'est plus comme ça aujourd'hui, tu fais partager ta cabine avec un étranger. Donc, il est là, puis il y a un étranger qui rentre, qui se rend compte qu'il va partager pour le voyage sa cabine avec lui, puis il regarde, puis il le trouve louche. Là, le pasteur pense, il dit, OK, moi, j'ai une belle montre en or. Je n'ai pas beaucoup de choses, mais j'ai une belle montre en or, j'ai de l'argent. Je ne peux pas laisser ça dans la chambre. Donc, il prend ses choses, il va voir le capitaine, puis il dit, vous avez un coffre-fort? Il dit, j'ai quelqu'un dans ma chambre, puis en bon Québécois, je ne le trosse pas. Donc, est-ce que je peux laisser ma montre, mes objets de valeur dans votre coffre-fort parce que je ne lui fais pas confiance, il a l'air louche? Est-ce que vous accepteriez? Le capitaine le regarde avec un grand sourire, il dit, ça va nous faire plaisir, surtout que votre cochambreur vient juste de passer pour les mêmes raisons. En jugeant les autres, on se condamne nous-mêmes parce que nous-mêmes, nous sommes défaillants à respecter le standard de Dieu. Et la Bible dit, tu agis comme eux. Puis là, des gens qui sont fâchés, non, pasteur Gaétan, j'ai écouté ton message la semaine passée, puis moi, j'agis pas comme eux. Frère, sœur, ami, t'as oublié c'est quoi notre problème? Permets-moi de redire quelque chose, une illustration que j'ai déjà employée, là, mais rapidement là, pour arriver à mon but. Dans ces temps là, de COVID, puis de grippe, puis tout ça, puis où c'est pas... Des fois, t'as un événement important que tu ne veux pas manquer, et tu sais que tu es malade, puis tu ne veux pas le manquer, puis tu fais semblant que tu n'es pas malade. Puis il y a du monde, tu es très, très bon pour tousser par en dedans. Tu es très, très bon, c'est comme, tu n'as pas l'air malade, puis il y en a d'autres qui sont, oh boy, là, ça mouche, ça tousse, ça fait tous les temps. Puis la réalité, ce n'est pas parce que tu ne manifestes pas les symptômes que tu n'es pas malade. Ce n'est pas parce que nous ne manifestons pas généralement, les chrétiens, les symptômes de l'immoralité crasse de ce monde que nous ne sommes pas malades, qu'il n'y a pas un péché dans notre cœur et nous avons besoin de Jésus. Ce n'est pas parce que ça ne paraît pas autant que nous ne sommes pas pécheurs, que nous ne sommes pas malades. Et c'est ça, il dit, tu agis comme eux. Tu es aussi passible du jugement de Dieu. OK, je vais m'ouvrir, n'utilisez pas ça contre moi. Il y a une mode, il y a un phénomène présentement que je ne comprends pas. Dans mon temps, quand tu avais un pyjama, tu restais à la maison. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Dans mon temps, un pyjama, par définition, c'est que tu restes à la maison. Là, ça a commencé avec les enfants le samedi matin au Costco, c'est mignon. Mais là, madame de 57 ans au Walmart, personnellement, j'ai de la difficulté, mais je juge. Et là, je suis à l'épicerie la semaine passée, sur l'heure du souper. Puis là, je vois un homme de mon âge qui est en avant de moi. Puis là, il est en pyjama. Un beau pyjama là, avec des outils, puis tout ça, de la couleur. Puis moi, je suis là, puis je ne peux pas m'empêcher de juger. Pis j'ai juste le goût de dire, le gros, tu peux pas faire ça. Un pyjama, c'est pour rester à la maison, c'est comme un peu d'amour propre. OK, on n'a plus 7 ans, là, on joue plus au Lego. OK, c'est comme... Moi, je te rappelle que je suis un pasteur, je suis un homme de Dieu saint, OK? Mais je juge. Puis Jésus a dit, aux chrétiens, il dit, votre problème aux pharisiens, c'est que vous jugez l'extérieur des autres sans réaliser que votre intérieur est crasse. Et la Bible dit, toi aussi, tu es passible du jugement de Dieu, alors que tu pointes le péché des autres. Est-ce que nous pensons que notre orgueil et notre hypocrisie est moins condamnable que le péché des autres? Donc, peut-être que ta moralité semble supérieure, mais ton orgueil, ton autosuffisance, ton hypocrisie est aussi péché que tout le reste. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Et le problème du moraliste, c'est ce que Paul dit, c'est que quelque part, oui, je sais que nous disons qu'on est sauvés par grâce, mais que quelque part, nous croyons que notre moralité nous donne un sentiment de sécurité devant Dieu. J'ai vu dans les médias quelque chose qui m'a... J'en reviens pas. Vous savez, Pine-Sol. Pine-Sol, le détergent pour... On a rappelé le Pine-Sol parce qu'on a découvert qu'il y a une bactérie qui peut causer la mort dans le Pine-Sol. Ça, là, j'ai des gens qui sont nerveux, là, OK?
Restez jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Mais comment le pain de sol qui est supposé détruire toutes les germes peut causer la mort? Et plusieurs personnes très, très, très morales, tu ne réalises pas que ta moralité, au lieu de te sauver, est en train de te condamner. Pourquoi? Parce qu'elle nourrit ton orgueil, ton autosuffisance et t'a arrêté de réaliser combien tu es un cas désespéré qui a besoin de la grâce de Jésus dans ta vie. Le moraliste, plus encore, et on est tous là-dedans, c'est quand on continue, on juge les autres, on se croit supérieur, puis notre problème, c'est qu'on en vient à mépriser la bonté de Dieu. Tu dis, mais comment? Regarde ce que dit la parole de Dieu, verset 4. « Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de son support et de sa patience, sans reconnaître que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? » Malheureusement, un des problèmes des chrétiens, c'est qu'on peut arriver dans une saison de notre vie où on méprise la bonté de Dieu. Tu dis, mais comment? C'est qu'on a oublié que si nous... OK, qui est chrétien ici? Beaucoup. Il y a des non-chrétiens. Bienvenue. OK? Beaucoup d'entre nous. Est-ce que tu réalises que si aujourd'hui tu peux te déclarer chrétien, c'est strictement à cause de la grâce de Dieu? Et quand on juge les autres, c'est qu'on oublie l'œuvre de la grâce dans nos vies. Hein, c'est comme si on est dans le bateau, on est dans le Titanic qui fait naufrage, on tombe à l'eau, puis on nous donne, on nous lance un gilet de sauvetage, puis on met notre gilet de sauvetage, puis là on juge les autres en disant « nage plus fort », oubliant que nous avons par grâce un gilet de sauvetage. Et lorsqu'on juge les autres sans Jésus, c'est qu'on oublie que ce qui nous différencie, ce n'est pas notre moralité, c'est que nous avons la grâce de Jésus dans nos vies. Et c'est ce que la parole de Dieu dit. Méprises-tu la bonté de Dieu? On oublie que nous sommes là strictement à cause de la grâce de Dieu, à cause du support de Dieu. Vous savez, pour moi, l'image de la vie chrétienne, puis je l'ai souvent dit, la fameuse image de Jésus qui nous porte. Puis nous, on est là, puis on regarde ceux qui chutent, puis ceux qui tombent, ne réalisant pas qu'on est dans les bras de Jésus. Mon ami, si t'es là, c'est pas parce que tu as des bonnes jambes, c'est parce que tu as un bon sauveur. Et souvent, on l'oublie. Et la parole de Dieu dit, puis tu méprises la patience de Dieu. OK, à tous les chrétiens sauvés par grâce, Dieu est infiniment patient encore avec nous. Dieu aurait pu lancer la serviette avec moi à des milliers de reprises. Et si je suis là aujourd'hui, chrétien et dans le ministère, parce que Dieu m'a porté. Et Dieu continue de me porter. Et on ne réalise pas que c'est la patience de Dieu. Vous savez, ceux qui ont des enfants, est-ce que vous utilisez le... Quand tu dis à ton enfant, « OK, là, voici, tu dois... Va ranger ta chambre, ou brosse tes dents, ou fais ci. Ah, » qu'est-ce qu'on fait? « OK, je compte jusqu'à trois. » Est-ce que les gens, tu fais ça? « Je compte jusqu'à trois. » Pourquoi tu comptes jusqu'à trois? « Un. » Un et demi. Un et trois quarts. Pourquoi tu fais ça? Parce que tu veux lui donner la marge de manœuvre pour qu'il se conforme, qu'il obéisse, qu'il se repente. Un bon parent, tu veux lui donner la marge de manœuvre. Dieu permet, encore une fois, le péché dans ta vie. Je le dis comme ça, c'est mal dit. Pourquoi? Dieu ne confond pas la patience de Dieu avec la tolérance de Dieu. Dieu te donne, Dieu est patient envers toi, alors que souvent, réalisons que nos péchés sont aussi condamnables que les autres. Et Dieu nous est patient, pourquoi? Il nous donne une marge de manœuvre afin qu'on réalise sa bonté, qu'on se repente. Et oui, le Père dit un, deux, pourquoi? Il nous donne de l'espace. Et tu ne réalises pas que ce qui prend place dans ta vie, c'est grâce à la patience de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Qu'est-ce qui te pousse à changer? Qu'est-ce qui te pousse à suivre Dieu? Qu'est-ce qui te pousse à renoncer au péché? Malheureusement, beaucoup de personnes, c'est la peur de Dieu, la peur de l'enfer, la peur du jugement. Mais ce n'est pas ça que Paul dit. Ne sais-tu pas que c'est la bonté de Dieu qui te pousse à la repentance? Pourquoi est-ce que les chrétiens, on veut changer? Pourquoi est-ce qu'on fait des efforts? Pourquoi est-ce qu'on s'appuie sur la grâce de Dieu? Pas parce qu'on a peur de Dieu, parce qu'on réalise quel bon Dieu nous avons. Et ce Dieu-là nous a tout donné, il mérite toutes nos vies. Et la bonté de Dieu nous pousse à changer, nous pousse à la repentance. Mais le moraliste, ce n'est pas la bonté de Dieu, c'est la peur de Dieu. Et lorsqu'on est rendu là, maintenant, le moraliste s'endurcit. Il y a des gens ici, écoute bien, des gens, tu es rendu là. Regarde, le verset 5. « Mais par ton endurcissement
et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu. » C'est Spurgeon qui disait, « Le même soleil qui fait fondre la cire durcit l'argile. » Le même soleil, deux effets différents. Le même évangile qui fait fondre certaines personnes à la repentance endurcit d'autres dans leur péché. Une des choses que j'ai vues après au-delà de 25 ans de ministère, j'ai vu un certain type de chrétiens qui ont entendu des milliers de messages. En passant, Judas a entendu tous les messages de Jésus. En passant. Et l'image que j'ai, c'est qu'il y a des gens qui deviennent immunisés contre l'Évangile. Il y a des gens ici, là, si on te demande de nous expliquer l'Évangile, la justification par la foi, la grâce, la bonne nouvelle, tu connais le message. Tu le connais, mais tu ne le vis pas. Et malheureusement, puis c'est ce que la parole de Dieu dit, il y a un certain type de chrétiens qui ont reçu juste assez de bonnes nouvelles de Jésus pour être immunisés, mais pas assez pour être bouleversés. Juste un peu pour réaliser que, oui, il y a un problème et tu dois marcher selon la parole de Dieu, mais pas assez pour te sauver. Et c'est là que tu t'endurcis, c'est que chaque message, chaque prédication que tu écoutes sans te conformer à la parole de Dieu, tu ne fais que t'endurcir, que t'endurcir, que t'endurcir. Et c'est pourquoi, quelquefois, c'est plus dur de convertir un chrétien de nom qu'un non-chrétien. C'est plus dur d'impacter un pharisien que le pire des pécheurs, parce que le pire des pécheurs, il sait qu'il y a un problème. Le problème du religieux, c'est qu'il a oublié qu'il y a un problème. Le moraliste s'endurcit. Et c'est pour ça que finalement, plusieurs personnes qui dans l'église de Rome, comme au portail aujourd'hui, sont là, puis connaissent la parole de Dieu, peuvent même lever les mains dans la louange, les emmènent dans la bonne nouvelle, mais la vivent pas. Puis finalement, il y a des gens qui sont ici ce matin, et tu ne seras pas au paradis pour l'éternité. Parce que tu t'appuies sur la mauvaise chose. C'est ce que Paul va dire, versets 6 à 7. Donc, il parle du juste jugement de Dieu qui rendra chacun selon ses œuvres. La vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent la gloire, l'honneur et l'incorruptibilité, mais la colère et la fureur à ceux qui, par esprit de dispute, désobéissent à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse pour toute âme humaine qui pratique le mal, pour le juif premièrement, puis pour le grec, gloire, honneur et paix pour quiconque pratique le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Pourquoi Paul dit ça? Techniquement, il parle à des chrétiens, parce qu'il sait que ce n'est pas tous ceux qui se déclarent chrétiens qui sont sauvés. Et c'est le problème du moralisme. Souvent, tu peux avoir la moralité sans avoir la conversion qui transforme. Et ce que Paul dit, et permets-moi de le dire, il y a des gens qui nous visitent. La destination ultime de chaque être humain, il y a juste deux choix. Okay, c'est comme le mardi soir, quand tu commandes du poulet, le choix du chef, tu as deux choix. Poitrine, cuisse. Il y a deux choix pour chaque être humain. Il n'y a pas de réincarnation, il n'y a pas de nirvana. C'est soit le paradis ou l'enfer. C'est soit la félicité de Dieu, la colère de Dieu. Deux choix. C'est pour ça que Jésus est venu. Et ce que la parole de Dieu dit, c'est qu'il y a un principe. Dieu donne le ciel à ceux qui font le bien. Tu dis, ben ça c'est moi. Non, c'est pas toi. Parce que Paul va dire un petit peu plus loin, il n'y en a aucun qui fait le bien. Tu dis, mais pasteur Gaétan, je ne suis pas si pire. Oui, tu es si pire. Pourquoi? Parce que selon le standard de Dieu, 99 %, ce n'est pas assez. Tu n'es pas à l'école. Ça ne prend pas de la note de passage à 60 % au Québec à 50. Faire le bien. Persévérer, faire le bien tout le temps. Y a-t-il quelqu'un ici qui fait le bien tout le temps? Puis on pense que notre bien efface nos péchés. Non, c'est pour ça qu'on a besoin de Jésus. Puis il dit, puis ceux qui cherchent la gloire. Puis le problème souvent des moralistes, c'est qu'on ne cherche pas la gloire, c'est qu'on cherche plus des bébites que la gloire. Tu sais, tu cherches plus des bébites dans la vie des gens, tu ne cherches pas la gloire de Dieu. On ne cherche pas les bonnes choses. Et ça nous rappelle qu'on a besoin, de se rappeler, et je le réitère à chaque fois, le chrétien, quelqu'un qui vit dans la moralité, qui est le standard de Dieu, c'est-à-dire qui oublie la parole de Dieu, mais c'est toujours la conséquence de quelque chose. Mais tu ne peux pas mettre ta confiance dans ta moralité. Parce que, un, ta moralité est déficiente, et même si ta moralité était parfaite, tu ne peux pas, ta moralité ne te sauve pas.
Si ta moralité pouvait te sauver, Jésus ne serait pas venu. Et le problème du moraliste, et c'est pourquoi souvent il y a des gens dans les églises qui ne seront pas sauvés, c'est parce qu'ils se confient dans la mauvaise affaire. À plusieurs années, je l'ai déjà raconté, il y avait un gros party de famille, on est chez la belle-mère, puis elle avait acheté un méga hamac avec l'affaire de métal, le support, puis le hamac de luxe. Et à un moment donné, on jase tout le monde, puis moi je vois le hamac, puis discrètement, tu sais. Je me mets, puis je le vois, puis il m'attirait le hamac. Et là, je me laisse tomber, mais le hamac n'est pas attaché. Puis il y avait une tige de métal en dessous, puis je suis tombé, clac, le dos. Et puis là, il y a du monde qui trouvait ça drôle. Puis moi, évidemment, j'étais un enfant de Dieu. Je trouvais pas ça drôle. Et là, j'étais là, puis... Mais de réaliser quand quand tu penses que tu vas être soutenu, que tu vas avoir une belle sieste, tu vas. Puis le moment où tu réalises que ça lâche, puis la chute, elle est brutale, elle est double. Puis il y a des gens ici, tu te confies dans tes œuvres, tu te confies dans ta moralité, tu te confies dans ta vie de prière, tu te confies dans le fait que tu es à l'église ce matin. Puis je sais qu'officiellement, tu dis non, 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 mais dans ton cœur, c'est oui, 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 oui. Tu penses que tout ça fait en sorte que Dieu t'est plus accepté, aimé par Dieu. Et c'est là le problème, c'est qu'on se confie dans la mauvaise chose. Paul Tripp a dit la chose suivante. Et c'est là que tu dois comprendre. C'est pour ça que c'est important la justification par la foi. Il dit, même si tu obéissais parfaitement chaque commandement pendant 1000 ans, tu ne serais pas plus accepté par Dieu que la première fois que tu as cru en Jésus. OK, quelqu'un qui rentre ici, la personne arrive, là, mettons avec la vie la plus dysfonctionnelle au monde, puis quelqu'un là qui, comme, écoute, dans l'occulte, nomme-les, là. La personne arrive ici ce matin, là, elle entend la bonne nouvelle de Jésus, puis elle se confie en Jésus. À l'instant où elle se confie en Jésus, OK, je veux juste que tu réalises, elle est aussi acceptée et aimée que toi qui suis depuis 20 ans le Seigneur, qui est à l'église, qui donne sa dîme, qui s'implique, qui fait des sacrifices, elle est autant acceptée au moment où elle a cru que parmi toutes tes années de vie chrétienne. Pourquoi? Parce que c'est la justification par la foi. C'est la bonne nouvelle de Jésus. Et la bonne nouvelle, c'est que si quelqu'un est ici ce matin et tu réalises ton état, tu te confies en Jésus, à l'instant même, tu peux être totalement accepté, sauvé, purifié, simplement par ta foi en lui. Et c'est pour ça que Paul va la développer, mais avant d'arriver là, il démontre des trucs parce qu'on se confie. Et c'est pourquoi le moraliste a besoin de Jésus. Et c'est pourquoi le chrétien a besoin de se rappeler qu'on a besoin de Jésus. Parce que beaucoup d'entre nous, si ce n'est pas presque chacun d'entre nous, nous avons tendance à être moralistes, à se confier dans la mauvaise chose, à juger les autres, ne réalisant pas que nous sommes toujours des pécheurs qui avons besoin d'un sauveur. Alors que l'équipe de louange vient me rejoindre, je termine avec deux choses. Une dame qui va à l'aéroport et décide de s'acheter un sac de biscuits. Donc, elle s'achète un sac de biscuits. Et elle dit, bon, ben pour le vol. Et à un moment donné, elle s'assoit, elle attend, puis elle met son sac de biscuits. T'sais? Elle est là, puis bon. Puis là, à un moment donné, elle s'en va, tout ça, puis elle revient, puis elle s'assoit à un autre endroit, puis elle est là. Et là, il y a quelqu'un qui vient s'asseoir à côté d'elle. Là, il y a le sac de biscuits entre les deux. Et là, l'autre personne ouvre le sac de biscuits. Là, elle la regarde avec un gros sourire, puis il prend un biscuit. « Je ne vais pas me laisser faire. » Elle prend un biscuit et elle regarde en le défiant. Et l'autre est là, la regarde, puis ils attendent. Tranquillement, il prend un biscuit, fait un beau sourire, mange le biscuit. Là, il y a comme un genre de bataille spirituelle du biscuit. Puis là, elle se dit, « Mais non, mais quelle effrontée! Quelle effrontée! » Puis en même temps, il est tellement effronté qu'elle n'ose pas le confronter, mais elle se dit, je vais juste comme continuer, je vais manger des biscuits, il va comprendre. À un moment donné, il va voir, ça n'a pas d'allure, là, il va arrêter, là. Il ne va pas persévérer dans son péché. Puis là, elle arrive, puis elle mange, puis là, les deux. Puis à chaque fois qu'il prend un biscuit, il la regarde avec un gros sac. Puis à un moment donné, après, c'est le dernier. Il la regarde, coupe en deux, il tend de moitié.
Elle dit, non, mais quel énergumène! Elle dit, non, mais ça n'a pas de... J'ai jamais vu ça. Donc, elle arrive, prend son... ramasse ses trucs, tout ça, s'en va dans l'avion, s'assoit, puis là, elle est comme, elle rumine ça. Non, mais cette personne-là, ça n'a pas d'allure. Quel impoli, quelle personne malhonnête, quelle personne mal élevée. Puis là, elle rumine. Et là, elle ouvre son sac. Et là, elle voit, puis elle se rend compte que son sac de biscuits est là. Elle réalise que c'est pas lui le voleur de biscuits, c'est elle. Elle pigeait dans le sac de son voisin. Et c'est pourquoi là, on a besoin de Jésus, le moraliste a besoin de Jésus, parce que souvent on est tellement préoccupé par le péché des autres qu'on oublie notre propre péché. Et je réitère, il y a des choses, il y a des actions, il y a des paroles à la lumière de la parole de Dieu. Ce qui est mal est mal. Le chrétien n'est pas... on ne peut pas appeler bien ce qui est mal, puis on ne peut pas appeler mal ce qui est bien. Mais nous ne pouvons pas juger les intentions du cœur. Vous savez, moi, je vous ai déjà dit que mon nom, Gaétan, je ne l'aime pas. Je ne trouve pas que c'est un beau nom. Puis, tu sais, à l'école, là, il y avait beaucoup de Éric, puis de Mélanie, puis de pas beaucoup de Gaétan. En fait, j'ai jamais rencontré un Gaétan de mon âge. Jamais mis. Puis souvent de fois, j'ai du monde qui me dit, quelqu'un me dit encore dernièrement, wow, OK, je vous ai parlé au téléphone. Tu sais, ta face ne matche pas avec ton nom. Je vais essayer de le prendre comme un compliment. Puis j'étais à l'école, puis je trouvais que c'était un vieux nom. Tu sais, les vieux noms reviennent à la mode, mais pas Gaétan. Tu sais, lui, il revient pas. Puis, je me suis adolescent, à un moment donné, j'étais voir mon père, puis je lui ai dit, tu sais, pourquoi tu ne m'as pas appelé Kevin? Tu sais, pourquoi tu ne m'as pas, tu sais, un autre, mais Gaétan, tu sais, à quoi tu as pensé? Maman, puis toi, à quoi vous avez pensé? Puis mon père, il dit, il y a une histoire qu'on ne t'a jamais racontée parce que tu n'étais pas prête à l'entendre. Mais il dit, tu as un oncle qui s'appelait Gaétan. Ah. Puis mes parents, c'est l'époque des grandes familles de 12, 13, 14. Puis là-dessus, tu avais des bébés, puis beaucoup de bébés perdus. Puis je dis, OK. Puis il me dit, oui, t'as un oncle qui s'appelait Gaétan. Puis ton oncle est né handicapé, lourdement handicapé. Puis à l'époque, dans les années 50, quand un enfant est handicapé, on les mettait dans ce qu'on appelait des hospices. Puis c'était des sens pas comme aujourd'hui où tu mettais tous les cas que les familles ne pouvaient pas gérer. Donc, tu avais des cas. Des enfants handicapés, tu avais des cas de santé mentale, puis tu avais des cas de délinquance. Fait que c'est un genre de mélange. Puis il dit, ta grand-mère et ton grand-père ne pouvaient pas s'occuper de ton oncle Gaétan parce qu'il était lourdement handicapé, donc ils l'ont placé, comme on disait à l'époque. Puis ce qui est arrivé à un moment donné, c'est que il y a des jeunes qui se moquaient de lui. Des jeunes qui, plus que de l'intimidation, qui le maltraitaient. Puis il dit, à un moment donné, il avait 10 ans, il y a des jeunes qui l'ont torturé, puis il est mort. Puis il dit, je me suis toujours dit que si un jour j'ai un fils, je vais l'appeler Gaétan. Puis tu vois, je jugeais mon nom, mais je n'avais pas toute l'information. Puis il y a des gens ici, puis là, je n'aurais plus donné plein d'exemples, mais je donne un exemple que souvent, on n'a pas l'information. Alors que moi, je voyais ça comme un déshonneur. J'ai réalisé que c'était un honneur de m'appeler Gaétan. Puis vous savez, souvent, on est prompt à juger les motifs du cœur. On est prompt à interpréter. Puis la Bible dit, fais pas ça. Pourquoi? Parce que tu n'es pas Dieu. Une seule personne est capable de lire dans les cœurs, et c'est Dieu. Est-ce que je peux entendre amen? C'est la parole de Dieu pour ce matin. Alors qu'on penche la tête pendant quelques instants, je vais faire deux appels ce matin. Premier appel à quelqu'un qui est ici, qui veut recevoir Jésus. Par ta foi seule, sans aucune bonne œuvre, aucun rituel, ce matin, tu peux être sauvé, pardonné, réconcilié avec Dieu, racheté, simplement par ta foi dans l'œuvre de Jésus. Là où tu es, sola fide, la foi seule. C'est ton cas ce matin. Confie-toi en Jésus maintenant.
Fais cette prière dans ton cœur. Seigneur Jésus, je viens à toi, j'ai besoin de toi. Je crois en toi, je veux me confier en toi. Mon deuxième appel, c'est pour des chrétiens, même des membres de cette Église, qui, plusieurs d'entre nous, on a peut-être oublié d'où on vient. Plusieurs d'entre nous, alors qu'on regarde l'état de notre monde, on peut passer beaucoup de temps à juger, à condamner. Et sans le réaliser, on s'endurcit. Et sans le réaliser, on perd de vue la grâce de Dieu dans nos vies. Je vais faire un appel pour des hommes et des femmes qui sont ici. Et peut-être que ce matin, tu réalises que tu t'es confié dans la mauvaise chose. Peut-être que tu réalises que ta vie, tu dis, moi, je suis quand même une bonne personne, je suis un bon croyant, je suis une bonne morale. Finalement, tu réalises que tu t'énergueillis. Tu réalises peut-être par le Saint-Esprit que, oui, tu es même quelquefois hypocrite. Ou tu choisis à qui tu te compares. Ne réalisant pas que sans la grâce de Dieu, tu ne vas jamais être capable de répondre aux standards de Dieu. J'ai fait cet appel parce que Jésus a dit qu'un jour, des hommes et des femmes vont se présenter devant lui et vont dire, « Seigneur, on a prophétisé en ton nom, on a fait le bien en ton nom. » Des hommes et des femmes qui vont dire, « On a honoré la parole de Dieu, on a oublié la parole de Dieu, on est à l'église, on a dit Amen. » Et Jésus va dire, « Je ne vous ai jamais connu. » Parce que ta moralité ne te sauve pas. Elle ne t'a jamais sauvé, elle ne va jamais te sauver. Donc, c'est un appel à te confier dans la bonne chose. Il y a des gens qui sont ici qui ont besoin d'entendre ce message, de comprendre le salut par grâce, la justification par la foi. Et quand tu le fais, le Saint-Esprit t'amène à marcher de manière morale, mais jamais ta moralité devient un mérite. Jamais ta moralité fait en sorte que Dieu t'aime plus. Jamais ta moralité te protège de l'épreuve. Jamais, jamais, jamais. C'est ton cas ce matin. Viens à Jésus. Il y a des gens qui sont ici depuis 20 ans, qui ont autant besoin de Jésus ce matin que celui qui vient d'entrer pour la première fois. Viens à Jésus. Seigneur, merci pour le grand salut que nous avons en toi. Alors que la parole de Dieu dit que chacun d'entre nous, les centaines de personnes qui sont ici ce matin, que ceux qui vont écouter en ligne, chacun d'entre nous, il n'y a pas d'exception. Nous ne sommes pas à la hauteur, nous sommes pécheurs, nous avons besoin d'un sauveur. Seigneur, garde-nous que ce soit un slogan, que ce soit cliché. Fais-nous réaliser notre totale dépendance envers toi. Fais-nous réaliser que toute notre religion, que notre spiritualité, que notre moralité n'est qu'un vêtement souillé devant toi. Seigneur, ma prière, c'est que apprends-nous à se confier dans la bonne chose. Seigneur, que la bonté de Dieu ce matin nous amène à la repentance, alors que 100% d'entre nous, on a besoin de repentance. On a besoin de toujours plus conformer notre vie à la parole de Dieu. Seigneur, qu'on puisse le faire, non par la crainte, non par la peur, mais qu'on puisse le faire à cause que tu es bon. Fais-nous réaliser ce matin dans la louange ta bonté, ta grâce, ta patience envers nous. Afin que nous soyons des gens qui passent plus de temps à te louer qu'à juger les autres pour la gloire de Dieu. Amen.